et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Dit, domine sur la colère. Et l'Éternel lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Waouh! Est-ce que quelqu'un voit ce paradoxe-là? Dieu a dit, si tu fais ce qui m'est agréable, laisse-moi te dire que ton visage va rayonner. Si tu fais ce qui me plaît, laisse-moi te dire, tu seras heureux. Amen. Tu seras content. La joie de l'Éternel est ma force. C'est quoi qui rend Dieu joyeux? C'est quand tu aimes ton prochain comme toi-même. Amen. C'est quand tu pratiques la justice. C'est quand tu marches avec humilité devant ton Dieu. C'est quand tu es soumis à la parole de Dieu. C'est quand tu penses aux autres qui ont faim, qui ont soif, que tu partages la bonne nouvelle, que tu partages l'évangile. Amen. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. Mais il dit encore à l'autre, si tu agis mal, c'est-à-dire si tu fais ce qui n'est pas dans ma volonté, si tu ne fais pas ce que moi je veux, le péché se couche à la porte. Le péché s'est couché premièrement à la porte d'Adam et Ève parce qu'ils étaient déjà loin de la volonté de Dieu. Donc, dis à ton voisin, si tu veux dominer sur le péché, demeure dans la parole de Dieu. L'ennemi ne va pas t'attaquer. Quand il va venir, l'Esprit de l'Éternel qui est en toi va le chasser. Parce que en toi, l'ennemi n'a aucune condamnation. Quand Jésus est mort, le diable n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce qu'il avait pratiqué la justice. Parce qu'il avait obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Donc le secret, c'est juste de pratiquer la parole de Dieu. D'aimer le Seigneur. Avec tout son cœur, toute son âme et toute sa force, de faire ce qui plaît à Dieu. Et si vous voulez, Dieu va combattre pour vous. Dieu va vous défendre. Amen. Et quelqu'un dit, Dieu va me défendre. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. En d'autres termes, il dit, fais le bien et tu vas dominer sur le péché. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parce que le péché s'est couché à sa porte. Le péché a dit, si tu ne marches pas dans la voie de Dieu, moi, je vais venir dominer sur toi. Le péché s'est saisi de son cœur. Toutes les mauvaises pensées qui étaient en lui sont sorties, les meurtres, les calomnies, les jalousies, les ignominies, elles ont commencé à se multiplier parce qu'il était complètement hors de ce que Dieu voulait comme offrande et sacrifice. Et là, Satan a saisi, comme Judas, Satan entra en lui parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait. Dieu lui a même dit, vas-y, vas-y, fais-le. Quand tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, te livre. Comme Oui dit aux Romains, Dieu les a livrés à leurs désirs retrouvés. Parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. Dieu a dit, je vous laisse faire. C'est pour cela que Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. En d'autres termes, fais ce qui est bon pour que ton âme puisse vivre. Amen. C'est un combat que nous vivons chaque jour. Le combat de notre âme. Et Dieu va souvent venir placer deux chemins. Ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas le bon endroit. Non. C'est parce qu'il veut voir qu'est-ce qu'on va choisir. Amen.
Il dit, même si l'Éternel envoie ton frère te dire, marchons dans la voie qui n'est pas de l'Éternel, toi, si tu dis non, tue ce frère. Parce que l'Éternel va l'envoyer. Amen. Donc, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous avons individuellement une mission, grand ou petit. Nous avons un objectif. C'est de vivre dans la voie du Seigneur. On ne va pas tuer notre frère. Amen. On ne combat pas contre la chair ou le sang. Amen. Alléluia. Ne va pas tuer ton frère parce qu'il n'a pas fait ce qui est bon. Amen. Prie pour lui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Dieu pose encore la question. Est-ce que Dieu ne savait pas où était? Qu'est-ce qui s'était passé? La même question qu'il a posée à Adam et Ève, il pose la même question. Adam, où es-tu? Adam a commencé à condamner et a dit, Seigneur, c'est voilà la femme que tu m'as donnée, elle a fait ça. Mais regardez comment Abel, comment Caïn répond à Dieu. Regardez comment Caïn répond à Dieu. Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Waouh! Parler de cette manière à Dieu, ça veut dire que l'orgueil avait déjà transcendé. Parce qu'il avait juste désobéi à un commandement. Il était déjà KO. Suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Là maintenant Dieu se fâche. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Waouh! Parce que tu as fait le mal. Ce mal-là, tu es maintenant lié à ce mal-là. Tu es maintenant esclave. Au lieu de travailler sur la terre, maintenant, vu que tu as travaillé pour la terre, tu es maintenant esclave de la terre. La parole de Dieu dit, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons longtemps marché dans l'esclavage lorsqu'on obéissait au désir et au convoitise de notre chair. Laissez-moi vous dire, je veux être un esclave de la justice. Amen. Il faut que tu te le dises, je suis esclave de la justice. Ça veut dire que je suis radical dans ce que je veux faire pour Jésus. Je préfère perdre ma vie, mais de vivre pour le Seigneur. Je préfère être esclave. David le dit, qu'un esprit de bonne volonté me possède, me saisisse. Ça veut dire que je veux être lié par l'esprit de vérité. Je vais être lié, possédé. Les démons possèdent les gens. Moi, je veux être possédé de l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Je veux que l'esprit de Dieu me remplisse complètement, immergé. Que je ne puisse même pas avoir un sentiment de doute d'abandonner Dieu. Amen. Ça doit être notre prière de tous les jours. Seigneur, saisis-moi par ton esprit. Qu'un esprit de bonne volonté me possède et me saisisse. Pour que je n'ai aucune chance de suivre le désir de mon cœur. Alléluia. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Parce qu'il s'est rendu esclave. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me caches aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai égal et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Est-ce que Dieu a dit que quelqu'un va te tuer? Toutes ces pensées étaient mauvaises. Au lieu de dire, Seigneur, pardonne-moi. Il s'enorgueillit et il s'en fout. C'était l'image de Satan direct. Satan, quand il a péché, Dieu l'a envoyé dans l'enfer, dans les abîmes. Au lieu de se repentir, de demander pardon à Dieu, il continue de faire le mal jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la fin, on a dit, c'est lui l'accusateur des saints. Jour et nuit. C'est-à-dire qu'il est acharné, il ne veut pas abandonner le morceau. Il veut continuer dans le mal. Laisse-moi te dire, quand tu fais le mal n'a pas saut, n'a pas de fin. Et le livre de Proverbes dit ceci. Il y a deux choses
qui sont insatiables. La terre qui avale de l'eau sans cesse, qui va toujours dire donne. Est-ce que tu as déjà versé de l'eau sur la terre et la terre n'a pas bu? Toute la neige là, la terre a bu. Amen. Laisse-moi te dire, si tu es esclave de la terre va te demander jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé complètement. La terre va te consommer. Le feu, c'est la même chose. Le feu ne va pas s'arrêter de brûler la forêt. Il ne va pas dire, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai trop mangé. Non. Le feu va consumer. Jusqu'à ce qu'il arrive là où il y a de l'eau. Et là, il s'arrête. Même là où il y a de l'eau, il fait le combat. Amen. Est-ce que vous avez vu souvent, il y a du feu sur l'eau? Amen. Il ne veut pas lâcher le morceau. C'est comme ça, quand on se donne au péché, on est esclave du péché. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta femme, je serai égal et vagabond. Si quelqu'un me voit, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Que quelqu'un dit, il sera vengé sept fois. Le Seigneur est juste en train de dire, ne fais pas du mal à ton prochain. Amen. Pardonne seulement ton prochain. Dis pardon à ton prochain. Pardon à ton prochain. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui l'a chassé, lui-même il s'est éloigné. Il a dit, moi là, Dieu, ce n'est pas mon affaire, je quitte le coin. Je m'en vais faire mes affaires dehors. Waouh! Il s'est éloigné de la face de la présence de Dieu. Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Quand on cherche la face de l'Éternel, c'est qu'on cherche la volonté de Dieu. Il s'est éloigné de la volonté de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes dans la maison de Dieu, le Seigneur dit, mes brebis, nul ne peut les arracher de ma paume, nul ne peut les arracher de ma main. Si nul ne peut arracher une brebis de la main de l'Éternel, qui peut arracher cette brebis alors? C'est la brebis elle-même. Amen. Quand vous voyez les personnes qui sont dans l'église, dans la maison de Dieu, du jour au lendemain, ils décident, c'est parce qu'ils ont voulu eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'ils partent. C'est eux-mêmes qui ont voulu partir. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils ne veulent pas. Donc faites attention, les enfants. Ok? Caïn s'éloignait de la face de l'Éternel, il habitait dans la terre du Nord à l'Orient. On va parler de la descendance de Caïn. Caïn a eu une femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch, l'orgueil. Amen. L'enfant n'a rien fait. Il n'a même encore rien produit comme bonne œuvre. Il donne déjà le nom de la ville, ville d'Enoch. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! L'orgueil. Tous les attributs de la méchanceté étaient liés à Caïn. Enoch engendra Irad, Irad engendra Methuselah, Methuselah engendra Methushael et Methushael engendra le mec. Le mec prit deux femmes. Waouh! Le mal va se multiplier dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, si tu fais aussi le bien va se multiplier dans ta vie. Il dit, toi et ta postérité, vous ne manquerez point d'être béni. Mais le Seigneur dit, si tu agis mal, je veux te maudire jusqu'à la quatrième, jusqu'à la quatrième génération. Mais si tu fais le bien, je veux te bénir jusqu'à la millième génération. Je préfère être béni que d'être maudit. Alors je vais garder les commandements de l'Éternel. Amen. Proverbe 23, versets 15 à 16. Si on peut afficher le Proverbe 23. Verset 15 à 16, il dit, Proverbe 23, il dit, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Verset suivant, 16. Mmh.
Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. En d'autres termes, quand tu parles et quand tu dis la vérité, quand tu pratiques la justice, quand tu fais ce qui plaît à Dieu, Dieu est content, Dieu est joyeux. Amen. Dieu est ému d'allégresse et de compassion. Proverbe 10, verset 1. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Amen. Abel et Caïn avaient reçu le bon enseignement. Mais un avait obéi et un avait désobéi. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes dans la maison de Dieu, choisissons l'obéissance. Choisissons l'amour. Choisissons la sagesse. Dieu sera content et l'Église aussi, qui est notre mère, sera contente, sera dans la joie. Et Dieu va faire pousser des fruits qui vont aller jusqu'à l'éternité. Amen. Que quelqu'un dise, je veux porter du fruit pour l'éternel. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va voir la suite plus tard. On va voir la génération des fils de Dieu et la génération des enfants de Satan. Amen. Hein? Pourquoi tu les appelles les enfants de Satan? Mais quand tu fais la volonté du diable, tu es l'enfant du diable. Jésus lui-même l'a dit, vous faites la volonté de votre père, vous voulez me tuer. Et dit notre père, c'est Abraham, il dit non. Si votre père c'était Abraham, vous allez faire ce qu'Abraham. Abraham n'a voulu tuer personne. Amen. Amen. Et vous, il voulait tuer Jésus, il a dit, vous faites la volonté de votre père. Si Jésus n'était pas leur père, c'était qui leur père? C'était le diable. Amen. Et Caïn, c'était la postérité de Satan. Satan les avait possédés parce qu'ils étaient soumis à la terre. Et on va voir dans Genèse au chapitre 6. Quand les fils de Dieu se sont mariés avec les fils des hommes, la catastrophe, tout de suite, le chaos qui se ressemble, s'assemble. C'est pour cela qu'on dit à nos enfants, n'allez pas épouser les gens du dehors. Ne vous mélangez pas avec eux, parce que vous êtes un peuple saint. Amen. Ne blaguez pas avec le monde. Le monde veut vous envahir, le monde veut vous détruire. Mais si vous vous soumettez au monde, le monde va vous avoir. Amen. Alléluia. Oh, Frère Léo. Oui. Mais toi, tu nous as fui. Non, pardon. Ton téléphone est mort. Oui. C'est mort. Oh, oui. Alléluia. Mais on t'a appelé fatigué, mais. Ah, non. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions?